Je vais m'adresser à Sidi Koïta et à mes parents maliens. Mba ou Mfa ou Anoula. Anoula, depuis Asgiro. Ama Kalama, Anyabala, Diabetor Denou. Jagatam Bejigla Malika. Pono Bejigla Malika. Fitana Bibé Malika. Jafra Bibé Malika. Diabes qui ne veut qu'appeler. Ben Yabala. Et ben ni torola adama de ikake nyanyama inika bre nyanyama ikake moju e nyanyama itise ka sika ye imonyo be massacre la obere na do kanatige dudo yere mana bamso be borola ka dentro dembe borola ka bato du nyami na tayo te mola adama de mimbe miri akoma. Ibe miria jamanama, ibe here ina kasiya jamanama, koye kui dusute kasi. Atese kake ademande sila, puli kake baboye, puli kake bedye, puli kake soro diomye, puli kake soro diomye, bido manuwe, puli kake sekutungara nuwe, buba mabel nuwe, puli kake fomba nuwe. Walaya, olu lebe seke tansi. Vraiment, on est beaucoup attaqué. Mais ça va passer, Inch'Allah. Non, le cyclone. Nous aussi, on ne se décourage pas. Si on coupe 1000 fois, moi, je lance 2000 fois. Donc là, on est trop à l'aise. Faut même pas t'inquiéter pour ça. Voilà. Pour les gens qui ont encore joué, ils t'ont mis. Ils m'ont renoué. Ils t'ont mis. Adama Deyama. Ils t'ont mis. Cinéma. A me croire qu'on a dû être au groupe, les gars. On l'a essayé de mettre une belle. Adofona, on nous dirait. Ka foka do antoro la ka yirana akmana fambe ko mali e dame dugule ko mali e hora dugule ko mali e loli kala dugule ko kemena bi kolono ani loru ko e islamai malla na wa be jatena o ko le mali mu me be islamai aya kuma fola bo o be jamele bi koro o be dugu mi koro o be kinda mi na ni hira bolai. Alors donc Kalila, koni hina te yoromna, bel te yoromna, tia de forona, kwa le ala ka nema te so role. Ala tukma ka ere so so, nema lori kere, nga mime chokoroba ou la, anfa ou bebi fola nyere, kwa se mime dilama, ama ou le tala nana na che, ma ado fola nyere, kwa ma ou noube profet, ale solatu asalam nona, kwa le lori kere ouye, lori kere ou le kere ka mo ou wajibi, ka mo ou bla, kwa otan ka bo ala kotama. Mais on a mouru et habite. Fitez la belle malla. Moi, ni me bonna. Oui, avec la moyenne. Aya problème à contoy. Moi, mi va devenir à quel mec à dans la couronne. Est-ce que n'est la maïa? Est-ce que n'est horreur? Est-ce que n'est champoy? Alors, le coach a de bonna pas de ta hérité. Bon, à bien avenir. Mali, moi, le bonna ou nina. Dos qui mec à oui à fort. Parce que je tombe d'une rouma. Ou l'oubé à oui à fort. Rezoka. Quand tout va bien, quand on est bien, quand on est famille, si on retourne au boulot, depuis que je suis là, je suis là, Dominique est comme là, je suis 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 là. Kabaka wia la mwere la. Ka wia la kodi wala. Ka mwere towa che. Ale mani ya leni owa. Mwere ma mani yon. Na manye lo nukona ka chafo towa yere. Na manye lo nukona. Ka tama ala kumakaka. Ka hina mwere la. Ka akba yonwe. Ala kukwale ba jagada jigaka. Ala kumakadu. Letate de. Ala letate. Ala uminu ukeranei. Ala uli ka afuanyere. Asikile ka alame. Pi ame na kuraji soro. Ka seko ama. Pour que Ahakireto nous connaisse. Maïmao, ça ne va pas au Mali. Maïmao, très très urgent. C'est plus même que urgent. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et votre problème, c'est entre vous les Maliens. Votre problème se trouve au Mali. Regardez-vous en face. Dites-vous la vérité. Prenez courage. Akara yere ya natafle
Ou bien, à quel aïe à son café, car faut qu'on ait mon yéka ni bono. Et à la hé, ou hé, sur le nico. Elle est même une soirée sur la, il était une soirée. Mon frère nico, d'où il est manico. Après le monde, n'est pas sur la. Aïe, tu m'as oublié que tu dis. Niki si qui est le frère, mais il m'a. Elle est la conscience, il m'a mouffonné. Eh, Mali, ça va pas. Mali hina be jamana tɔw la Mali hina be Côte d'Ivoire denw la Mali hina be Côte d'Ivoire masacɛ la a hina be Côte d'Ivoire surasuw la a hina be Côte d'Ivoire comme Mali a dafɛtugu bɛɛ la mais Mali yɛrɛ hina tɛ Mali yɛrɛ denw na Mali yɛrɛ denw ma bɔ ɲɔgɔn ye o bɛ wuya la mɔgɔw la o bɛ kow kɛ ka bɛ ka wuya la mɔgɔw la k'o yɛrɛ kɛ victime ye an dɔ bɔra k'a fɔ an ɲɛnɛ Moi, à mes mains, je suis mal à l'année. A dit, à la conçue. A ben la baigne, ma amie. Mille noms de l'air à te faire. Au cas, quoi nous dire? Quoi n'y a pas de la Quoi la église ou t'es dit? A ben la mort, quoi? Quoi y voyait t'es? Au cas, il peut pas nous dire. Mais Billahi à ma femme, caraba. Billahi à ma bretonne. Billahi à ma bretonne. Billahi à ma bretonne. À toi là. A gazé ko a tola a danka ko a ka mo du su suma a be se ke deme mi ke mo ya ka deme ko ye minu yera ka to che minu tu me fe ka fa ko di wat me problem na même tu me ke che o ka delegation ko ka ta ko amerique a tu me se ka fo ko ta ke a tu me se ka fo ko ne hinala a tu me se ka fo ko ma ko ta la parce que min do ri ba ma ke A quel président yo? A quel président yo? Wallahi Cheminu, Diabé Carlo. Bon, comme Diabé Carlo, Diabé a boué Baka, Diabé a respecté la, on me contre Akala, ni Malumo Banana, on t'a Mongola, on t'a tchin à Tola, à Kadamu Ivoirien, oui, à Kadaye Lissi, à l'écrire, mon poignet, à Kadaye Lukobe, parce qu'il y a un fait. Amanya moba bouye ka moba loro irala me oka ajazi ka toche ka sonso belala ama forche me parana na abedi parana na ka ko do chire ka lo kwai mi foka bo olumi parce que mi no tumei ni fe ko do tuya fe ka si dia fe ko to mo dia fe wi ya fo fe oka jamana chi Quand j'ai mené le fond de chouet, quand l'administration bête, quand mon libre, quand son retard, wallahi, n'a rien tout terre, ni c'est bien tout à quoi de voir ta. A meilleur n'a qu'on bi, ça a quoi de voir ma nona alibi, ma qu'à quoi de voir ta, à ma manque, à ma problème qu'elle est mouée, minou y a essayé qu'on va faire, à Savarila, minou qu'à en bas à mon amour sous bois, qu'à Sama, à nous, Mario. Allez, j'ai dit bien malais. Est-ce que toi, il y a un moment de bonne soirée à sa mort? A ma dégâté, mais à quel an ouvre Côte d'Ivoire? A Panima obéi, à Messo Koyinga, à Fadima obéi, à Messo Koyinga, mais au cœur de Banina, à Sebaye, à Moro Barbaro, à Navro Barbaro, ou à l'aïe à Loli Bala, à Sabarilla, Kabaka le Bokelon Taku, ou là de Tamarako. Kabako, président mettant ce pays-là, Kabaka po, a ma foi ma kere, ma kadro, ni kanere yinga, mina pomo ma yiba, mais à travers ce pays-là, malgré la kabofa, a mille, combien de route, a ben jamanete, de l'écrire de bambela, a de se kataka d'auto, a la ko, kwanye sabari. Voilà, a ben fou mouri ma sabari, sebe ele mouriye, a sebiye kake, a famille kake, Ale fo bi boka ke me ku savari ni savari lo ya abe fo elele ma ko elele ala moye me ni desela ka so ka savari ite fo ye fori ko ite fo ye fu ko ite fo ye mo cha ko anu ya masache ani ni peka ta ngona fem pe se bai mi ka je abe si ka ke me amade ka malike fo mo shira akale mo ka nta ko la do jamana ko ro o mo ka on Oya jeton, avant ça, à 14 blabarala,
Donc un milliard que le roi construit. Donc à l'époque, donc un milliard de morts à Cameroun, il n'y a pas là de paiement. Au là de pays là. Mais on donne qu'au pays là. Au loup, les bêtes à Djamba, Katra, Kena Louye, Kabosomonia Kena Louye, Kahasidia Kena Louye, Kanamimaya Kena Louye. Kwa luwe buri kana anu wa jamana nini ama dawo made ko abena ina jamana tedwi mo wonu utiri fara anu ka ye soro jonna baboni bedenu yi minu fefe ba encourager la alkoyanna anu ye si ka ayi nini ba eske mo wonu na na mani o ko o moto ya jamana ti o be se ya munya anu ye aya jamana ko ya me question poser la ma wala na ay sabare ay ni jabi akana jabi mo gonyene de ike ini alache sigi hakiri jabo ya jabi yereye ka resita ni yereye ka reposi di yema mi mala ibini keto ulo adama de ibe soko do badora wallahi toto ni ko ke ala be frega anu la masateni mo futa adoba a placer le en gros to antenne son ayaya masache to ko adar parado onina antena son ayaya jamana don nini antena son abena manamana kado kwanu antena son ma meka jambila oka o cheri ko ka bola minu utara fi kulba olu le ka ka alu ni kanda mo olu ka protoi krisi kulba mo ni be borona aja keleke mle foso besa keleke mle mbe mali boro atolemara ala ta mbe ki boro me mali to te foyi point lonte malla bate malla che para mena kuma mi fonye ne mbe kuma na nyere ni timin me na ta ka lo maliye ne ni maliye te para ye nte maliye e bi ma fo ka se ko ka je ma fure bu me bi ne ka wardo bla ka ta di do ma malla maligre je bi je ma fu de lui hila fe me i wore no bo kere me anu ama pre me an ne nyele ba ka ka solution sur le néo aya lo ani ala tie ka chafo nyo nyene ka ya bifle ka deun na sikifle parce que alu fefe be samu wa sambi sa balabi alu la génération le tienne na boroni amo le foyer ngoni do te bena amu pei a fefe sa bi sa bi na lo a be génération le tienne parce que ça ne aye bonu ko ro ko ro ala le ba boro politicien ngba anye fani mi min ternoué o man na kana ala kana de o be wuya to le fola nyere na abe fe ka boko do kalama o be ko gere kire na abe fe ka boko do kalama o be na ni kuma gere anu yere si ayo jatemle dere fra na mi ba boro aka fanuke abe na sanga wurudo ko abe ta asini 20 septembre pede voilà abe na fe ta me na me o ka mi fo nyere o ka papier le ke o ni ministre che ka signer contrat renouvelé là mais o ba na ka fola nyere mais to be bo kere pe ka fola nyere kwa ibo kata minisima kwe. Do okoro le wu. Amma kote la hala ato nula. Amma kote wu shira. Amma kote wu komola. No otara no kofayi. Ok mo le bo gro. Paske papie leke la. Ka di minisima ma. Minisima ba ya parala. Odo ba anere la kwa ibo. Debe mi fwa njene. Ano minu te politisye. Ano minu wa mwote politik la. Ano minu ve gwa mwore. Ano minu ve woto fusela. Ano minu ve moto bura ka mwota. Ka ekipe abam sokora nula. Kai kipe aya jama ola kai kipe asino ola aya jato ayela oba manipulele jato fola yele obeta afra e bi foi te bola foi ate bola dimie abautai dimie afautai mali bele to anona oluko ya milia oshwe ko ya jama ya ulabo o ya jama obe dapre so kutumara aya kuma kala me dabe kuma kotma ko asiri anwole amita parela amita sesodum amita sasodum ama mena de abe fola nyere aba mena me momru ba ko sela ato olu la mena po momru be buya kwa nyere do anu fola mena do oke ala mena momru bo ko na amektor mena di mo numa ala obela kana ala mali da kana na amena mifo ka kure ya nyere mini termu de chakade o ka mimika be buya o ble o be buya da ta yoro to la afonya to nyere ka yere to da ka foka kure ya anu ya surasu numa ape ni mo opinion ni mo ko ronoy o ka kasku be fo anye me alu yere adamadon le
Merci beaucoup le cyclone. Surtout quand tu parles en Bambara ou en Djula, ça permet aux Maliens de bien comprendre ce qu'on dit. Parce que peut-être quand nous on parle en français, le niveau du français est trop élevé pour eux. Et puis souvent aussi, on essaie de les raisonner. On dirait que ça, ils ne connaissent pas ce que c'est que la raison. Mais c'est très important quand tu leur parles dans la langue qu'ils comprennent. Et c'est pourquoi hier, j'ai mis une vidéo. Ce n'était pas pour faire rire quand j'ai mis la vidéo des deux miss là. Regardez le message que j'ai mis à côté. Dans le Coran, tout comme dans la Bible, on dit que le bon arbre produit le bon fruit. Si tu veux avoir un bon enfant, il faut avoir une bonne mère. C'est très important. Mais quand on prend les exemples que je vous ai montrés, ce que moi je visais, c'était de dire surtout qu'il faut amener nos filles à l'école. Elles sont les mères de demain. C'est elles qui produisent les hommes que nous sommes dans la société. Et dans la majeure partie des cas, le père va toujours chercher le pain. C'est la maman qui élève l'enfant. Et donc, il y avait l'exemple de ce monsieur qui s'est marié et qui a eu un enfant. C'est une histoire imaginée, ce n'est pas une histoire vraie. Mais il y a une sagesse là-dedans. Et le jour du baptême, il dit à l'imam qui devait célébrer le baptême de faire des bénédictions pour l'enfant. L'imam lui dit, non, tu m'as appelé pour venir célébrer, mais moi je ne pourrais pas faire de bénédictions. Il dit, mais en ce moment, baptême là, si tu célèbres que tu ne fais pas de bénédictions pour l'enfant, à quoi est-ce que ça servit? L'imam dit, c'est vrai, ce que tu dis est vrai, mais la bénédiction qu'on doit faire là, c'était avant ton mariage.
avant de te marier là, ta bénédiction c'est ta femme. Ta bénédiction là, elle va transférer ça, la bénédiction qu'elle a, les valeurs qu'elle a là. Elle va transférer ça, même si on fait bénédiction là, ça ne va pas servir. Si elle est bonne là, elle va donner un bon fruit. Mais si elle est mauvaise, au moment où tu l'as choisie là, elle va te donner forcément une mauvaise éducation à ton enfant. Malien, je vais essayer de casser vraiment le niveau du débat pour que ceux qui comprennent un peu le français parmi vous vont peut-être comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez là, nous on n'est pas des gens inutiles. Nous, on collabore avec les gens partout dans le monde, au sommet. On ne vient pas sur Internet pour crier dans le vide. Chers Maliens, allez sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. On vous dit des choses ici 3 semaines, 1 mois en avant. Vous partez crier, mais après, quand vous venez là, ce qu'on vous a dit là, même si vous n'aimez pas, ça reste sur ça. Il y a tellement d'exemples, on ne va pas les citer. Mais aujourd'hui encore, je vais vous dire certaines choses et vous dire comment cette histoire-là va se passer. Donc, écoutez-moi très bien. Chers Maliens, aujourd'hui, si on prend le Mali tel que ça est, le cyclone, c'est qui on tue aujourd'hui au Mali là-bas? Ce sont les Pauvres. C'est les Maliens? C'est les Maliens qu'on tue. C'est qui on viole au Mali? C'est les Maliens. Tu as entendu que les djihadistes ont été tués? Jamais. Tu as entendu qu'Assimi Goïta a été tué? Jamais. Mais le peuple malien qui est en train de crier ne sait pas que c'est lui-même qui est la première victime de tout ce qui se passe. Et cher peuple malien, quand nous on vous parle là, nous on ne vous parle pas en tant que des cyberactivistes. Moi j'ai toujours dit je ne suis pas cyberactiviste. Un, je n'ai pas besoin de vues. Parce que si j'avais besoin de vues, j'allais dire mettez étoile ou me faites ça pour qu'on arrête. Je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. J'ai toujours dit ça ici, je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. Maintenant si toi-même tu forces pour me donner là, je vais venir dire ça en public. Ça a toujours été comme ça. Deux, je n'ai pas besoin de ce que je fais là pour me nourrir. Donc, je n'ai rien à perdre. Mais pourquoi on vient parler? Parce que dans la vie là, un être humain ne peut pas avoir 1000 ans. Ce que nos parents nous ont dit dans leur expérience, on met ça sur ce qu'on a aujourd'hui et puis on essaye d'éviter certains dangers de la vie. C'est ça qu'on appelle l'expérience humaine. La situation dans laquelle vous êtes là, Berthe connaît, moi je connais, Mimi connaît, Chaka Zulu connaît, nous tous on connaît. Monsieur Berthe, tu te souviens du 19 septembre 2022? Le matin quand on s'est réveillé là, c'était le 20 septembre 2002, pardon, 19 septembre 2002. Le matin quand on s'est réveillé, c'est qui on a vu à Boaké? On a vu les rebelles partout. On ne la connaissait pas. On ne la connaissait pas. Eux aussi ne nous connaissaient pas. Chers parents, écoutez très bien ce que je vous dis. Babo dit que ce sont les populations de Boaké qui ont encouragé les rebelles. Toi, tu vis dans une ville avec ta famille. Le matin, tu te réveilles. Tu trouves des gens lourdement armés qui sont en train de confronter l'armée. Non, parce que toi, tu es trop bête. Il faut t'opposer. Les mains vides et puis ils vont te tuer. Les populations n'avaient pas de choix. Et donc, on était barricadés, on était blottis et on a observé la situation. C'est aux environs de 10h, 11h, on a vu, les gens-là ne tuent pas les civils. Les gens-là ne tuent pas les civils. Après, on a commencé à prendre un peu confiance, on a tiré un peu l'oreille. Ils nous disent qu'ils ne sont pas venus pour faire une guerre contre les civils, qu'ils ne sont pas venus pour attaquer les gens et que c'est entre eux et l'armée loyaliste de Laurent Gbagbo. Comme tout le monde connaît cette armée meurtrière, tribaliste, nous on était contents déjà de savoir que, un, nos vies seront sauvées parce que ceux qui sont là, ils peuvent disposer de nous comme ils veulent parce qu'on ne les connaît pas. Et l'armée de Gbagbo aussi a toujours tué les gens sans les protéger. Donc, première chose qui a fait qu'on a soutenu les rebelles, c'est parce que d'abord, ils nous ont mis en confiance en garantissant nos vies. Et deuxième chose, ils ont nettoyé cette armée tribaliste de Laurent Gbagbo qui n'avait que pour plaisir de tuer les citoyens ivoiriens. Mais quand ça a commencé, chacun de nous a pensé que ça n'allait pas durer. Et c'était pas notre souhait. Il y a personne qui souhaite que la guerre dure. Et on se disait quoi?
Monsieur Berthaud, au début, que non, dans une semaine, on va l'enlever Gbagbo. Dans deux semaines, on va l'enlever Gbagbo. Dans trois semaines, on va l'enlever. Trois, un mois. Cher Malien, ce que je suis en train de vous dire là, ce qui est rentré au Mali là, si vous savez ce qui est sur votre tête, celui qui vous parle là, c'est quelqu'un qui a vécu dans la rébellion. Ce que vous voyez comme amusement là, votre cri de propagande là, vous allez laisser ça, quelqu'un ne va pas vous dire. Parce que ça là, ça peut faire facilement 20 ans sur votre tête. La Côte d'Ivoire a encore eu la chance. Les deux parties ont accepté qu'il y ait des collaborations extérieures pour qu'on puisse trouver une solution. Et maintenant, on a fait 12 ans dedans. Mais vous, vous êtes en train de chasser tous ceux qui doivent forcément vous aider. Parce que le cas du Mali, là, que vous le voulez ou pas, le Mali ne peut pas régler cette histoire-là. Si le Mali pouvait régler, l'armée du Mali allait balayer les djihadistes. C'est parce que vous ne pouvez pas que vous êtes obligé de tenir compte des partenaires extérieurs internationaux pour régler cette histoire. Malheureusement, vous ne comprenez pas ça. Et vous pensez qu'en chassant tout le monde, votre problème là, ça va se régler sur les tables des Nations Unies. Comme toutes les crises au monde. Et nous, avec toute l'expérience qu'on a, nous on a eu la chance. Quand la guerre a commencé, moins d'un mois, on a fait Kléber, après on a fait... Vous allez voir que pour vous là, vous êtes en train de vous condamner dans une situation qui va vous amener tellement loin que facilement, vous allez passer plus de 20 ans dans cette histoire. Mais entre-temps, qui subit le grand prix? Ce n'est pas moi qui invente les faits. Les faits sont là et tout le monde peut le voir. Regardez un peu ce qui se passe au Mali et vous allez vous faire votre propre idée. Ce ne sont pas les Ivoiriens qu'on tue, ce ne sont pas les femmes ivoiriennes qu'on viole, mais voici la réalité qui est en face de chacun de nous. Les Nations Unies au Mali accusent les forces armées maliennes d'exécutions sommaires. 50 civils ont été tués en avril dernier dans la localité d'Ombori, dans le centre du pays. On compte parmi ces victimes une femme et un enfant. Caroline Lambolé. Les faits se seraient déroulés ici, à Ombori, en avril dernier. 50 civils ont été tués, selon l'ONU. L'armée malienne est pointée du doigt. Cette localité du centre du Mali est située à une centaine de kilomètres de Gossi. Dans ce rapport publié mardi, la mission de l'ONU au Mali fait état d'une répression sanglante des forces maliennes. Le 19 avril 2022, jour de la foire hebdomadaire dans la localité de Ombori, à la suite de l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage d'un de leurs convois, les FAMA, accompagnés de personnel militaire étranger, on conduit une opération militaire de... De nouveau, pointé du doigt, selon plusieurs sources, des soldats accompagnés de supplétifs de l'armée russe auraient commis des viols et des pillages dans la région de Mopti. Les faits se seraient déroulés le dimanche 4 septembre dans la journée lors d'une opération de renseignement sur des djihadistes. Les autorités maliennes n'ont pas réagi directement sur ces accusations, mais elles ont publié un communiqué pour saluer le travail des FAMA dans la région. Plus de détails avec notre correspondant dans la région, Ange Nomeo. Des forces spéciales maliennes et des mercenaires russes auraient commis des exactions sur les populations des villages peuls de Tondiama et de Niaoro près de Mopti. Les forces armées maliennes sont arrivées ce dimanche 4 septembre pour traquer les terroristes, mais la situation a pris une autre tournure. Elles ont obligé les femmes à rentrer chez elles. Certaines ont dû se déshabiller. On parle alors d'attouchement et de viol de la part de certains soldats blancs. Et selon nos informations... Et donc, mesdames et messieurs, ce qui vient d'être dit là, tout le monde a compris. On dit l'armée du Mali, avec les Russes de Wagner, tue et viole les femmes maliennes. C'est au Mali que ça se passe. Les djihadistes tuent les civils. Si vous ne prenez pas conscience, ce qui va advenir, vous le verrez. Mais pourquoi Assimi fait tout ça? Aujourd'hui, on va vous dire certains détails que beaucoup connaissent déjà. Contrairement à ce que tout le monde vous dit, la Côte d'Ivoire va demander pardon, la Côte d'Ivoire va demander pardon, la Côte d'Ivoire ne va pas demander pardon. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de demander pardon. Même la lettre de l'ambassadeur qui nous a été transmise aujourd'hui dit que nos soldats ont été illégalement arrêtés. Le président est resté sur la même voie. Et nous demandons que nos soldats soient libérés sans condition. Et c'est la même chose, le 6, que nos gens, la délégation vous a dit.
Vous avez demandé que le président Alassane Ouattara, c'est vous qui êtes dans le besoin, cher Malien. Venez me dire que ce que je dis là, ce n'est pas vrai. Puisque tout le monde sait ça déjà. Celui qui dit, je veux que Alassane Ouattara utilise son influence pour décaisser des fonds pour moi à la BCAO. Assimi dit, lui il a attrapé nos militaires là. Lui il demande quelque chose en contrepartie. Ça c'est la méthode des djihadistes. La prise d'otage pour demander quelque chose. Mais, ce qui est à la fois hilarant et en même temps qui fait pitié, il dit que Alassane là, c'est parce qu'il a un pouvoir. Lui, il veut que Alassane utilise son pouvoir pour retirer l'argent pour lui à la BCAO. Mais ça veut dire qu'Alassane est plus puissant que lui. Ça veut encore dire que c'est parce que Assimi même sait qu'il ne vaut rien. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui vaut quelque chose, demander pardon à quelqu'un qui ne vaut rien. Venez me dire que ce qui est là, la délégation malienne n'a pas mis ça. Ça, c'est un. De deux, la délégation malienne a peur, surtout Assimi aujourd'hui a peur d'une chose. C'est que ce que je viens de vous dire là, les rapports sont là. Et Assimi sait qu'aujourd'hui, quand il prend tous les chefs d'État, là, c'est Alassane Ouattara seul qui peut garantir sa sécurité. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que dans ces négociations-là, Assimi est en train de demander à Alassane Ouattara de plaider auprès de l'ONU pour qu'on ne puisse pas l'extrader à la CPI. Ça aussi, il faut qu'on vous dise. Et est-ce que celui qui demande, parce qu'il sait qu'il a commis assez de crimes contre les Maliens, les preuves sont là en vidéo, les preuves sont là en images, les preuves sont là en témoignages. Et donc, à travers cette prise d'otage, Assimi veut garantir son après-pouvoir, quand il ne sera plus au pouvoir. C'est tout cela qu'Assimi est en train de négocier. Depuis que les négociations ont commencé là, vous avez entendu une seule phrase pour dire non, on veut quelque chose pour le bien des Maliens. Chers Maliens, prenez tout cela à part le faux, on veut souveraineté, souveraineté. Mais toi, tu n'es pas puissant. Toi, tu demandes à Alassane Ouattara de te donner une souveraineté financière parce que lui, il est déjà plus fort que toi. Mais Alassane Ouattara, c'est le sous-préfet de la France. Donc, Assimi, à travers ces négociations-là, demande au sous-préfet de la France de lui garantir son destin après pouvoir, mais de lui garantir une certaine aisance financière. Donc, si vous dites qu'Alassane Ouattara est le sous-préfet de la France, mais nous, on dit Dieu merci. Mais votre Assimi, à travers ces négociations dans la prise d'otage, demande aujourd'hui l'aide à Alassane Ouattara. Et donc, ça veut dire qu'être sous-préfet de la France, c'est encore mieux que d'être le planton des Russes. Mais ce qui est encore plus intéressant, chers Maliens, et ça, comme je le dis, nous, on parle à des gens qui peuvent utiliser leur cerveau pour comprendre. Moi, ce que je dis là, je n'ai jamais dit que ce que j'ai dit là, c'est la vérité qu'on ne peut pas truc. Mais je dis, sur la base des arguments que je mets, tu vas écouter, ça ne va pas te plaire, mais c'est tellement vrai. Tu vas crier, tu dis c'est faux, mais la réalité va te rattraper. Quand je vous ai dit que votre rapport que vous avez déposé à l'ONU, ça n'ira nulle part. Je vous ai dit ça 3 semaines en avant. Vous avez dit, ah, c'est faux, c'est faux. Mais le 1er septembre 2022, c'est devenu comment? Pourquoi vous ne parlez plus de ça? Ils ont pris ça pour essuyer leurs fesses et puis ils ont mis dans le WC et puis ils ont jeté. Ça n'ira nulle part. Je vous dis que votre relation avec les Russes, là, ça va mal finir. Mais voilà un document qui dit les Russes non seulement tuent les Maliens en masse, mais maintenant, en complicité avec l'armée malienne, ils violent même les femmes maliennes. Mais ce n'est que le début. Mais je vais encore vous dire quelque chose qui ne va pas encore vous plaire, mais qui est la réalité. Quand Assimi met dans les demandes que lui, il a attrapé nos militaires, parce que c'est ce que ça veut dire, pour pouvoir négocier pour avoir d'autres Maliens qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Mais Assimi commet une grosse erreur. Il dit déjà qu'ils sont réfugiés. Mais allez reprendre, le monde là ne fonctionne pas selon ce que les Maliens veulent. Si le monde pouvait fonctionner comme vous les Maliens vous voulez là, vous n'allez pas demander de l'argent à Ouattara. Si le monde pouvait fonctionner comme vous voulez là, vous allez demander à l'aménagement de quitter.
Mais Assimi vient de renouveler le 1er septembre 2022. Il a accepté que la mission de la MINUSMA soit renouvelée. Si réellement les Maliens n'aimaient pas la MINUSMA, si Assimi travaillait réellement pour les Maliens, mais il devrait dire, ils avaient l'occasion, ça s'est passé devant votre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye. Il devrait dire, bon, tout ça là même c'est long, nous on ne veut même plus de la MINUSMA. Mais demandez à Abdoulaye Diop s'il a dit ça. Il s'est tué, paix, il n'a rien dit. Donc ce qu'on vous dit là, ce que les Assimi là vous disent, et puis la réalité, c'est deux choses complètement différentes. Ils sont dans un mensonge, mais parce que vous-même les Maliens, vous acceptez qu'ils vous manipulent. Ça c'est votre problème. Mais je vais vous dire quelque chose, je vous dis qu'il faut bien écouter. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, il faut bien m'écouter. Parce que souvent, je dis des choses, après on dit non, c'est comme si c'est comme ça. Un, Alassane Ouattara ne va pas les tonner. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, là, s'ils sont même là-bas encore, je vous dis aujourd'hui, écrivez et gardez, le 12 septembre 2022, un, Alassane Ouattara ne va jamais les donner. Ça, c'est un. Deux, Alassane Ouattara ne peut pas les donner. C'est très différent. Hein? Quand je dis il ne va pas les donner là, ça veut dire lui-même là, il peut décider s'il va donner ou s'il ne va pas donner. Mais deuxième, j'ai dit, il ne peut pas les donner. Ça veut dire lui-même là, ça dépasse ses compétences. Il ne peut pas décider comme bon, c'est comme ça, je vais les donner. Il ne peut pas. Et pourquoi? C'est ce que je vais bien expliquer, il faut écouter. Parce que nous, on regarde le monde, on se renseigne et on essaie de regarder les choses comment, dans quel sens ils vont, et on essaie de faire la synthèse et l'analyse pour comprendre. Chers Maliens, prenez le 17 juin 2022, pardon. Je dis bien le 17 juin 2022, allez sur le site des Nations Unies, et tapez le dossier numéro SG. Ça veut dire secrétariat général bar SM bar 21330. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait une déclaration sur le droit à l'asile. Et qu'est-ce que le droit à l'asile? Il commence son discours en disant, le droit à l'asile est un droit fondamental, rappelle le secrétaire général, en soulignant la responsabilité commune de la protection des réfugiés. En français, simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand quelqu'un se sent en danger ou bien quelqu'un a besoin de protéger sa vie, ça devient une responsabilité commune de la protection des réfugiés. Ça devient une responsabilité pour tous les pays qui sont dans l'ONU. Et donc, il faut que Assimi fasse beaucoup attention. Parce que aujourd'hui, je vais dire encore quelque chose qui est très grave. Mais seuls ceux qui sont malins et ceux qui connaissent très bien l'éclaireur pro-vérité vont comprendre. Après ce que je suis en train de faire là, je vais dire ça rapidement, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, ça veut dire, la Côte d'Ivoire fait partie des Nations Unies là. Si quelqu'un rentre en Côte d'Ivoire et il demande refuge, il va au HCR ou bien les instances des Nations Unies en Côte d'Ivoire, il demande refuge, ou bien il va auprès des autorités ivoiriennes, il dit j'ai peur pour ma vie, je suis en danger, je demande l'asile ou bien la protection. Le droit international dit si quelqu'un est en danger, qu'il te demande le secours, tu as la responsabilité commune de lui apporter cette protection. Et je vous ai bien dit, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a parlé le 17 juin 2022. Or, il se trouve que le Mali, tout comme la Côte d'Ivoire, fait partie des Nations Unies. Mais le plus grand chef des Nations Unies aujourd'hui, c'est qui? C'est celui-là. Et ce qu'il a dit là, c'est ça. Donc, quand vous dites que la Côte d'Ivoire a gardé des gens chez vous, alors que vous avez lancé un mandat international, mais rappelez aussi, de la même manière que vous dites que votre mandat là, c'est valable là, rappelez aussi le droit international. Or, il se retrouve aujourd'hui que le Mali est un État en assistance. Le Mali est assisté par l'ONU. C'est le Mali aujourd'hui qui garantit la sécurité du Mali. Donc aujourd'hui, là, de façon très simple, là,
votre comment on appelle, c'est que vous avez, le mandat que vous avez lancé là devient inférieur à la loi de celui qui vous protège aujourd'hui ou bien qui apporte de l'aide pour protéger le Mali. Ça, c'est un. Donc, c'est faire preuve de malhonnêteté que d'accuser les autorités comme si elles avaient dit, bon, allez commettre des choses et puis fuyez pour venir en Côte d'Ivoire. Quand vous dites que vous poursuivez ces gens pour des crimes économiques, mais au moment où ils volaient là, est-ce que c'est Alassane Ouattara qui leur a dit de voler? Au moment, tous les crimes que vous allez leur reprocher, au moment où vous faisiez ça là, est-ce que c'est en complicité avec Alassane Ouattara qu'ils ont fait? Non. C'est au moment où ils étaient en difficulté, ils sont sortis et ils sont venus en Côte d'Ivoire. Donc, vous voulez mettre dans la tête des gens que Alassane Ouattara collabore avec eux pour détruire le Mali. Alors que c'est faux. Ce qu'ils ont fait là, ils ont fait ça avant de quitter le Mali. Et ça, il faut qu'on clarifie ça. Deuxième chose, écoutez très bien, on ne pourra pas lire tout ici. On dit les personnes fuyant la violence ou les persécutions doivent franchir les frontières en toute sécurité. On dit quand quelqu'un est en danger là, si toi tu es un état de l'ONU, les Caraïbes et autres là, quand ils ont fui la persécution mais la violence, on dit si tu es un état qui est membre de l'ONU, tu dois pouvoir les laisser franchir la frontière en toute sécurité. Pourquoi vous voulez que la Côte d'Ivoire s'oppose au droit international pour faire plaisir au Mali? On dit lorsque ces personnes sont en situation de difficulté, elles ne doivent pas subir de discrimination aux frontières, ni se voir refuser injustement le statut de réfugié. Donc, quand je vous ai dit qu'Alassane Ouattara ne peut pas les livrer là, c'est français, je parle. On dit, une fois qu'ils franchissent les frontières, là, s'ils étaient partis au Ghana, s'ils étaient partis au Burkina, s'ils étaient partis en Côte d'Ivoire, là, les Nations Unies disent, une fois que, non seulement vous ne pouvez pas les empêcher de franchir les frontières, mais une fois qu'ils franchissent les frontières, vous ne pouvez pas leur imposer, pardon, vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir accès au droit d'asile. Ça, c'est un droit international. Ce que je dis là, je n'invente pas, c'est écrit sur la page. Allez reprendre, si j'invente quelque chose, vous dites tu mens. Et on dit, elles ne peuvent ni se voir refuser injustement le statut de réfugié ou l'asile pour des motifs fondés sur leur race, leur religion, leur genre ou leur pays d'origine. Bon, nous tous on est noirs, on laisse ça. Beaucoup parmi vous là-bas, vous êtes musulmans, on laisse ça. Bon, leur genre là, il y a des gens aujourd'hui, eux sont garçons, ils disent ils sont femmes, on n'a qu'à laisser ça, je n'aime pas parler de ça, ça ne me plaît pas. On laisse ça. Mais on dit, tu ne peux pas aussi leur refuser l'asile à cause de leur pays d'origine. Et tout ça, c'est le droit international que je suis en train de vous dire. C'est le droit international qui fait que la MINUSMA est chez vous et qu'elle vous aide à maintenir la paix. Et quand ça vous arrange, vous voulez utiliser le bon côté de la loi internationale, mais quand ça ne vous arrange pas, vous voulez ruiser pour essayer de mentir aux gens. Mais moi là, si je mens aux gens et que vous-même vous mentez aux gens là, la réalité finit par rattraper chacun de nous. Je suis en train de vous expliquer aujourd'hui pourquoi Alassane Ouattara ne va jamais accepter de livrer les personnes que vous demandez, même s'il y a eu un mandat d'arrêt, parce que le droit international, dans ce cas-là, est plus au-dessus, est au-dessus de ce mandat-là à cause du droit d'asile. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et qu'est-ce que l'article dit? C'est toujours écrit. Elles ne peuvent pas être contraintes à rentrer chez elles si leur vie ou leur liberté sont en danger. Et comme chaque être humain, elles doivent être traitées avec respect. Mais la sécurité n'est que le premier pas. On dit, c'est le secrétaire général de l'ONU qui a dit ça. Il dit, une fois que quelqu'un entre déjà et obtient le droit d'asile, partout dans le monde, si ce pays-là fait partie de l'ONU, cette personne-là, on ne peut pas la prendre et puis dire, bon, comme les assimilés disent de vous donner là, bon, nous, on ne sait pas comment on va faire, on va vous donner de la force. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça. Si la Côte d'Ivoire fait ça, là, la Côte d'Ivoire se met à dos l'ONU, le droit international. Bête, il faut m'excuser, je suis en train de bien expliquer pour qu'ils comprennent. Il n'y a pas de problème. Donc, Alassane Ouattara, même s'il veut, il ne peut pas. Et moi, j'ai dit ça. Parce qu'Alassane Ouattara, on ne l'a pas connu comme quelqu'un qui froisse le droit international pour faire plaisir à des djihadistes ou bien à des preneurs d'otages.
Et ça sera, un cas d'école entre la violation des droits internationaux. C'est aujourd'hui ça que Assimi veut imposer à Alassane Ouattara. Pour qu'un nouveau précédent puisse commencer dans les relations internationales. Si la Côte d'Ivoire prend le risque de violer ses principes universels, ses principes internationaux, ça sera un premier cas d'école qui va permettre aujourd'hui aux narcotrafiquants, à tous les bandits de la terre, même aux djihadistes, de dire, de négocier directement avec des États. Et c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, Assimi, en agissant ainsi, il ne se présente plus comme un État avec des leaders et des structures organisées et reconnues par le système mondial. Écoutez très bien ce que j'ai dit, Malien. Quand il y a un État, au-delà des petites définitions, ça veut dire que c'est un territoire avec des dirigeants qui ont une capacité d'être respectés parce qu'ils ont des accords avec des partenaires internationaux et donc ils respectent leurs engagements à l'international et en retour, les partenaires internationaux les respectent. On pourrait aujourd'hui définir simplement dans ce contexte un État sous cet angle-là. Mais aujourd'hui, le Mali n'est plus un État. Parce que tel que Assimi se comporte, le Mali devient comme un proto-État du djihadisme. J'ai bien dit proto-État. Le Mali se présente aujourd'hui comme un État en formation, mais sur la base du chantage, du djihadisme et des mauvaises valeurs. Voilà aujourd'hui ce que vos autorités sont en train de présenter. Et si dans ce contexte-là, l'État de Côte d'Ivoire, avec des institutions fortes, des institutions qui sont respectées, aujourd'hui Alassane Ouattara n'a pas fait le travail de faire réunir la Côte d'Ivoire à l'international pour qu'il vienne aujourd'hui faire mettre la Côte d'Ivoire dans la boue parce qu'Assimi lui a demandé de faire un troc. Si Alassane Ouattara fait ça, c'est que tout le travail qu'il a fait depuis 2011 à l'international, là, il va perdre le respect de tout le monde. Et donc, quand moi, je me base sur ces facteurs, il y a tellement d'éléments, ça est sur la page, vous pouvez lire, il y a tellement de points pour le prouver. Je vous dis, Alassane Ouattara ne va pas donner ces gens-là. Ça vous déçoit, ça ne vous plaît pas. Mais je vous dis la vérité et ce qui va se passer. On ne va pas donner ça, c'est un. On ne peut pas donner ça, c'est deux, sur la base du droit international. Et trois, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Malheureusement, depuis hier nuit, le sort d'Assimi a été scellé. Assimi, ton cas il était mauvais. Mais celui qui te parle là, ceux qui savent de quoi je suis capable, comprendront. Mais je n'entre pas dans les détails. Mais Assimi, depuis mars 2021, je t'ai dit que tu risquais de finir les deux pieds devant et que au meilleur des cas, tu iras à la CPI. Mais aujourd'hui, je peux te dire une chose qu'il faut bien écouter. Depuis hier soir, ton sort a été scellé. Je ne vais pas dire le lieu, le quand et le où. Tu n'as que deux choix. Et Berthe, tu te souviens, j'avais dit qu'un jour Assimi va demander l'asile en Côte d'Ivoire. C'est clair. Mais la deuxième chose que je vais dire aujourd'hui, il faut bien retenir. S'il ne vient pas en Côte d'Ivoire, il ira au Niger. Je ne dis plus rien sur cette affaire. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Éclairé. Je dis merci à tous les auditeurs. La vérité, il est difficile à dire, mais quand il est dit, il sauve des milliers de vies. Je dis merci à tous ceux qui sont sur la plateforme. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Même les Maliens qui nous écoutent à ce moment. On a mal. Voir les gens sont en train de mourir par centaines à la porte des voyous. Des hommes qui ne peuvent rien apporter au Mali. À plus forte raison, la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Mal même Mario. Même une fois, il y a même 1000 lacs à son cas. Moi, je suis là, je suis là. Toi, tu es le commandant.
Mais à chaque moment, voilà, il y a un climat. Quand on écoute, on a pas la qualité artistique d'obéir. Dans mes témoins, on a Horoyatola, on manque à beau, ou je veux le beau là, mieux éclé, ou est en bas de parce que souvent, vous voyez comment on voit pour trop l'aller. Comme moi, y'a mais. Parce que, à la mode, ni chaque moussoula moi, il n'a pas moussoula là, qu'à tiaïa qu'à te mettre au cas. Mais ni qu'à mousson moussoula, qu'à pour rôder ma boule, qu'on y n'est pas là. Pour nous mettre la mort, qu'à l'état photo là, à l'école, quoi, les bénins, mis sur quoi les balles intéressent là, au mousson, à quelqu'un mousson corbaillot, à quelqu'un soumounio, à quelqu'un d'emsenio. C'est très important. Maintenant, quand nous sommes là, on est Aïcha Kone, Ivoirien, mais il n'est pas là. Mais nous sommes là, même Naba Yere Kunka. Mais on ne fera pas mettre la main là. Famille Bolona a bien la main là. Nous sommes nous, Tchess à la main là. Mintère nous, ça la forme la main là. Moi, nous, pour la main, Malik. À cacher que tu me pas année à Chita. Mais Aïcha Kone ma quoi tu la donnes boka olu ya hina kuma ko mo yere. Pourquoi mo ese ka hina ola? Abes ka la kana ne ma peso so so la. Ate na donnes boka made. Abe na donnes bolo. Ko bene asini goita magiri. Ka to fo. Tout simplement o bene war mi ta aleba. Ale mo ko ta alula. À ma côté Alina, à ma côté Anaya de Mayaoula. Malimao, Malis Ribabe, Aya Emini, famille Chama de Bononanina, dont à la côte d'Ento, dont à la côte d'Ento, dont à la côte d'Ento, tout le Oulila, si il y a quelqu'un de Mola, puis Oloulo, Sini Jono, Aya Emini Malé, elle l'a dit qu'on met. Tu ne crois pas au co. Quand Allah a dit à la mada, à la arrière d'un. Quand arrière, quand nitro, fait faire mon nitro, on est quand même à arrière la mini. Parce que nous qui allons coquer, il va y à chaque moment ni. On va faire nous au co autour. On veut cocher ma copie autour. Au chaque moment ni. Mais à la mada, fait mes quand même à la mini. Ils nous sont dit à quoi demain. Au chemin de mon la taille de ma corps. Mais avec Mikel, avec un ton grilla, Kawarim là, qui mira Yerema, Jadi Bakofe, allez-y à la lune ou l'eau ou du roche. Mais allez-y ton grilla, aïe, question qu'elle pose à ma. Pourquoi elle est ton grilla la noix et ta massachema? Pourquoi elle est ton grilla et ta massachema? Parce qu'avec pas la Mikel ou de malheur, avec le consomme de l'eau de malheur. Abe hiyo na mola utete malala, ivoire unini la kana nilo, ele masika dongiri la weo, mali be yika wui, mali ira tote itu, ele kubira dongiri la, mali yao, ayo kesho pose ama, na sela ka ajabi, aya dongiri sa, na masika ajabi, na sela malala ye, aya samara singo ke kapo, pase malu atala, ata yere lo, ata tamir lo, e, tempa fara nyumate, eklere, mena bokmana ya, Marie mamie ne va jamais pour la reine d'Olivier. Donc même pas au fond qu'après on a commis tellement d'achats. En attendant, allons malion les. En attendant, Marie mon amour tourne nous roule. Amata, assez bien goûter ne à la maman ou Amata oubli. Même au loup corona, au beau corona. Donc éclairer. J'ai dit bonsoir à Mère Blanc, à Madame, à Monsieur Blanc. J'ai dit bonsoir à Madame Nefertiti, Nefertiti. Sans oublier Mère Fouliado. Sans oublier Carissa Justine, tous nos mamans s'y plaquent. Je vous dis bonsoir. Sans oublier Madame Aki, Mimi Aro Ourien, sans oublier Alimentados, nos sœurs de côté Arabie Saoudite, nos mamans, vous êtes beaucoup. Nous, on vous aime beaucoup. Vos conseils vraiment que vous nous donnez, c'est très bien pour nous et ça nous sert beaucoup de leçons. Je vous dis merci. Et bonne émission à tout le monde éclairé, et c'est à l'écoute.
Merci beaucoup, le cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et on espère bien que les Maliens qui veulent sauver leur propre vie comprendront ce qu'on leur dit. Et encore, les Russes au Parlement, eux-mêmes, ils sont en palabre. La guerre, la Russie a d'énormes problèmes avec la guerre qu'elle a débutée en Ukraine. Et les parlementaires disent que Vladimir Poutine les a trahis et que ce qu'on leur dit dans la télévision, ce n'est pas la réalité. J'ai mis le lien sur la page pour que les uns et les autres puissent lire ça pour comprendre. Et donc, on ne peut pas fonder une politique sur la propagande. La réalité finit par vous frapper en plein visage. Chers Maliens, ne condamnez pas le Mali à être l'un des pays les plus misérables, les plus moyenâgeux de notre planète. Parce que le reste du monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, les déplacés internes au Mali, c'est par milliers. Dans le seul mois d'août à aujourd'hui septembre, il y a eu 895 Maliens qui ont été tués. Selon les décomptes, selon ce qu'on a vu. Ce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas dire ça. Il y a 850, il y a 895 Maliens qui ont été tués. Et ce sont les djihadistes qui ont tué ces personnes. L'armée malienne aussi avec Wagner. Est-ce que toi, le Malien, tu vas continuer à faire la propagande jusqu'à ce que la guerre arrive à Bamako pour te rendre compte de la réalité? Sachez réfléchir dans la vie là. Aimer sa vie n'est pas un luxe. C'est un choix fondamental. Merci beaucoup, le cyclone, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous également. Merci beaucoup.